Bonjour, bonsoir, bienvenue sur MBJJ TV. Pour cette petite vidéo, une reprise sur les formes de corps, parce que bon, l'année est passée, les formes de corps ont évolué, et donc la première combinaison de formes de corps, je la dédicace à Zahir, parce que c'est un de mes élèves qui l'a trouvé, moi j'aurais jamais pensé, lui il l'a pensé, ceinture bleue, violette là dans moins d'un mois. Donc merci pour cette petite forme de corps sympathique, d'accord. Donc sur la roula derrière, en piquant le genou, boum, on se retrouve dans cette position classique, d'accord. Donc là, tout le monde connaît ça. Juste qu'il a ajouté pour faire une bonne petite combinaison, on va dire. Au moment où je me relève, boum, genou-pied. Ouais, d'un côté. Boum. Genou-pied. Tout de suite. Boum. Ouais. Donc ça, spécial dédicace pour Zahir. Deuxième petite forme de corps. Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée, mais bon, on s'en fiche. Toujours avec le genou piqué, d'accord. Combiné. Je vais la faire de dos, celle-là, pour que vous voyez mieux. Je viens rouler. Je pique avec le genou. Et dans cette position, je viens fermer mon triangle. Quand je repars, j'ouvre. Je repars et je referme le triangle, mais de l'autre côté. Ouais. Boum, 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 boum. Ouais, ce qui vous permet de travailler le triangle des deux côtés sur une seule, de travailler les deux triangles du même côté, de chaque côté sur une seule et même forme de corps. Ouais, boum, 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 boum. Alors pourquoi je vais travailler celle-là maintenant? C'est pour le triangle du dos quand on est au-dessus. D'accord, mais peut-être un jour je vous mettrai l'application. Mais là pour aujourd'hui, c'est juste ce petit complément sur les formes de corps, sur les roulades, notamment roulade arrière en piquant avec le genou. Voilà. Tout de suite une autre vidéo forme de corps, pour, toujours sur les roulades, pour les gens qui ont des problèmes pour faire les roulades sur les épaules. Classique, donc quelques petites solutions de travail qui vous permettront de progresser si vous avez un peu de problème de souplesse, à progresser dans ce domaine-là. Si vous voulez, si vous n'arrivez pas à faire de berimbolo ou des choses comme ça à cause de ça, c'est des clés qui vont vous permettre de progresser dans ce domaine-là. A tout de suite pour la suite. Pousse.